Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview, la 13e, je crois si je me trompe pas, non la 14e, on est sur la 14e preview, waouh, plus que 4, incroyable, il n'en reste plus que 4, j'ai l'impression d'être dans Koh-Lanta, qui reprend d'ailleurs ce soir. Aujourd'hui on va parler d'une équipe qui a été championne de France une fois, une équipe qui a gagné deux fois la Coupe de France, mais ça date, d'accord? Donc on parlera d'une équipe qui est Montpellier, qui est Montpellier. On va pas parler beaucoup. Qui est Montpellier, Montpellier. Prudence et constance, c'est ce qu'ils font. Ils sont très prudents, très constants. On va parler d'une équipe qui est le MHSC. Le MHSC, pardon. Ah, une fois champion de France, c'est dur à dire quand on zozote un peu. Deux fois vainqueur de la Coupe de France, 46 saisons en Ligue 1. Une équipe qui comprend dans son effectif 23 joueurs pro, dont 14 étrangers, 8 internationaux. Une moyenne d'âge qui est assez élevée, qui est à 25,7 ans, quasiment 26 ans. Avec une saison moyenne qui suit les départs de pas mal de cadres de l'effectif. Ils vont évoluer au stade de la Mosson, 22 000 places remplies à peu près à 14 000, 13 000, 14 000 places. C'est assez compliqué en ce moment de remplir ce stade, on le voit un petit peu sur les photos. Bon là c'est avant le début du match, mais c'est vrai que c'est pas forcément le stade le plus rempli de Ligue 1. 91 millions de valeurs marchandes, à peu près 4 millions par joueur. 12e la saison dernière, ils sont entraînés par Michel Derzakarian. On va voir hein, tout de suite ce qui s'est passé la saison passée. La saison passée, il y a eu quelques départs pour 37,75 millions d'euros. C'était 30 millions, le record, pour Eli Wahi, qui est parti du côté de Lens. Et ensuite, on avait Mavididi du côté de Leicester. Donc ces deux transferts-là étaient quasiment les deux seuls gros transferts. Après, c'est des prêts, des départs libres. J'avais compté à peu près 7 départs libres, notamment Mamadou Sakho, quelques joueurs comme ça, Valère Germain par exemple, pour ne citer que, c'était les plus connus, et c'est quelques joueurs de rotation, quelques joueurs qui ont été utiles la saison d'avant. Après c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde hein, en termes d'arrivée, ils ont su attirer Akor Adams, qui a fait une plutôt bonne saison, ils ont su attirer aussi Sagnan, qui a sur le mercato d'hiver, plutôt pour 3,20 millions. Bon. Comment récapituler un petit peu cette saison moyenne, je vais dire ça, saison moyenne après ben, le départ d'Eli Wahi et de Maxime Estève. Estève, il était parti en prêt avec une option d'achat qui a été levée et qui rentre dans le mercato de cette saison pour 12 millions à peu près. Il est parti du côté de Burnley, mais il a déjà quitté effectivement le club déjà la saison dernière. Il y a Moussa Altamari aussi qui est arrivé au cours de la saison... du mercato de la saison passée, du mercato estival. Ça a été, je trouve, des bonnes recrues pour un club qui cherche à jouer le milieu de tableau. Pas de Coupe d'Europe, pas d'autres tableaux à jouer. C'est vrai que c'était un effectif qui devait ben, se reconstruire, on va dire, par rapport au départ de ces cadres-là, hein, ceux que j'ai cités. 10 victoires, 12 nuls et 12 défaites. 43 buts marqués, 48 encaissés. Donc on est déjà sur un niveau déjà un petit peu moins intéressant que celui qu'on a vu dans la vidéo précédente, celui de Toulouse, où il y a un peu moins de régularité au niveau défensif. Ça encaisse un peu plus de buts, ça en met un peu moins, ou tout autant. Ils étaient à 42 buts, donc tout autant. Mais quand on regarde, c'est une équipe aussi qui... galère à domicile. Seulement 3 victoires la saison passée à domicile, 9 nuls et 5 défaites. 5 défaites, ça va, c'est plutôt un... c'est pas dégueulasse, mais c'est seulement 3 victoires. 3 victoires, ça veut dire qu'ils ont pris 7 victoires à l'extérieur. C'est une équipe qui a été très très active lorsqu'elle était à l'extérieur, qui a beaucoup joué la transition, ce qui aide aussi quand on est à l'extérieur, parce que ben, on a moins souvent le ballon, on est plus à l'aise aussi pour contrer l'équipe qui reçoit. Pour récapituler un petit peu cette saison, ils ont été deux fois dans le top 9. Je vais plus parler de top 10, mais de top 9. Lors de la deuxième et de la dixième journée. Une fois barragiste aussi lors de la 24e journée. Ça a été une saison, comme je disais, assez... voilà, assez compliquée. Il n'y a pas eu que du beau, il n'y a pas eu que du moche, mais... voilà, c'est fade. Akor Adams qui a mis 10 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Je crois que c'est 8 en Ligue 1 ou 9 en Ligue 1, je me souviens plus. Teiji Savanier aussi, qui a été un des éléments forts de cet effectif,
9 buts et 8 passes décisives. Moussa Aldamari qui s'adapte, le Jordanien qui est arrivé, qui fait de belles choses avec du côté de Montpellier, 5 buts, 4 passes décisives. Donc ça a été une bonne saison pour ces trois joueurs. On peut ajouter Arnaud Nordin. Nordin qui a été très peu utilisé, mais c'est suite à des blessures. J'ai compté, il a fait 20 matchs en Ligue 1. Sur ces 20 matchs, il y en a 12 où il n'a pas marqué ou fait passe décisive. En sachant que sur les 12 autres matchs, il n'était pas forcément... C'est pas des matchs qu'il a joué à 100%. Donc en vrai, s'il est à 100% physiquement, je pense qu'on a un bon joueur dans cet effectif, capable d'assurer aussi sur le front de l'attaque. On l'a vu notamment ce week-end. La révélation aussi, c'est Khalid Fayed, hein, qui est le joueur marocain, qui a été assez souvent utilisé dans le milieu de terrain. Donc voilà, on a déjà une relève potentielle à certains départs qu'on pourrait voir. Le coach qui a été choisi pour piloter tout ça, c'est Michel Derzakarian. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est un entraîneur de 61 ans pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Troisième saison à Montpellier, septième depuis 2017. Il a fait 2 piges du côté de Brest. C'est un des entraîneurs les plus expérimentés de la Ligue 1, 372 matchs au moment où je parle. Il est revenu à Montpellier en février 2023, après déjà un premier passage de 4 ans, où il est parti ensuite à Brest, où ça s'est pas forcément très bien passé. Il a été remplacé par, et on l'a vu avec du succès, par Éric Roy, qui a fait une saison 2022-2023 très intéressante, enfin non, 2023-2024 très intéressante. Et 2022-2023 aussi, qui était très intéressante, où il a su maintenir le club, là où Michel Derzakarian, c'était pas trop ça. C'est un entraîneur qui n'a jamais coaché de match de Coupe d'Europe. Donc on sait, hein, c'est un entraîneur aussi qui voilà, finit rarement au-dessus de la 8e place. On va pas se mentir, ça va être assez compliqué cette saison de viser autre chose. Ne serait-ce que par le pédigré de l'entraîneur qui est déjà assez expérimenté. Je pense pas qu'il y ait une marge de progression assez importante. Après, c'est... Aussi avec les, encore une fois j'allais dire les outils, avec les joueurs qu'on lui met à disposition. Les joueurs qu'on lui met à disposition, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher plus que une certaine position dans le classement? Moi je les ai pronostiqués, mais peut-être que vous aurez un avis différent. Ils vont évoluer principalement en 4-2-3-1, c'est comme ça que ce coach-là voit le jeu. Donc voilà, hein, prend environ 1,41 points depuis ses débuts de coaching, c'était en 2006 si je ne me trompe pas. 1,30 en Ligue 1. Donc on est sur une des bases d'équipe qui se maintient. Voilà. Il n'y a pas. Franchement, ça va être une preview assez simple. Il n'y a pas grand chose à dire. Montpellier, j'ai mis un trou noir parce que. Voilà. Pas de recrue. Au moment où je parle, c'est-à-dire qu'on est le 20 août. Il reste 10 jours de mercato, 0 recrue, 0 arrivée. On retrouve Gabriel Barrès qui était prêté du côté de Concarneau. Maxime Estève qui finit son prêt mais qui va repartir de l'autre côté. Et là, Mahama, on peut libérer. Hein. C'est pas un transfert. Il vient de la réserve. Voilà, tout simplement. Il a dû signer pro. Quand on regarde, on a quelques départs. Hein. Donc, Maxime Estève qui était déjà parti la saison d'avant. On a Léo Leroy qui part du côté du FC Bâle et Sacha Delay, libre. En plus, c'est ça, c'est une des fâcheuses tendances qu'a ce club, c'est de laisser partir libre les joueurs. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le mercato, c'est-à-dire rien. Il n'y a rien à dire et ça, c'est inquiétant. Et franchement, moi, j'ai mis une position sur Montpellier et qui pourrait changer parce que franchement, c'est néant. On le voit, hein, 3 gardiens, 4 centraux, 5 latéraux, 4 milieux centraux, 1 milieu offensif, 5 ailiers et 1 avant-centre. Concrètement, ça ne sera pas sur le poste d'ailier où ils vont avoir des problématiques, mais plutôt dans le milieu de terrain, sachant que Joris Chotard, il est annoncé comme partant depuis ses beaux Jeux Olympiques où il a réalisé de très belles choses. On le voit, hein, c'est un milieu défensif ou milieu de terrain qui peut évoluer dans le système comme soit un relayeur, soit plutôt un récupérateur-relanceur, voire même un meneur de jeu en retrait avec TJ Savanier qui va être derrière l'attaquant. L'attaquant encore Adams dans un premier temps, après on verra. Hein, peut-être que Wahbi Khazri sera capable d'assurer aussi... un petit peu la rotation, c'est un joueur qui prend de l'âge, donc voilà, on n'a pas forcément
voilà, beaucoup de facilité à se projeter sur ce que ça va donner. En sachant que avec Savanier, Casery et Nordin, on a, avec Casery et Savanier, déjà les deux des 10 meilleurs buteurs de la Ligue 1 encore en activité et encore présents dans cette Ligue 1. Donc Casery, il a 74 buts, 18 pénalties. Savanier, c'est une quarantaine, 47 buts et 20, dont 25 pénalties. Donc voilà, hein, seulement 22 buts dans le cours du jeu. C'est une équipe qui va avoir des éléments offensifs qui vont être capables de marquer, hein, bien sûr. On l'a dit, on l'a vu, c'est une équipe qui a su le faire la saison passée. Mais moi, ce qui m'interroge un peu plus, c'est en termes de projection pour l'avenir. Ok, il y a des jeunes, ok, il y a une équipe qui est là, qui est constituée pour avancer. Mais quand on se concentre un peu sur ce qui se passe, bon, en plus, ils ont perdu un gardien, donc ils en ont, non, ils en ont toujours trois, ouais, c'est ça. Benjamin Lecomte, qui est un bon gardien de Ligue 1. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si je dois me projeter sur plus que cette saison, pas grand-chose à dire, et je pense que ça va pas dans la bonne direction. Mais on voit, il mise sur un groupe qui se connaît. Voilà, un groupe qui se connaît, un coach qui a de l'expérience. Et les équipes jeunes, je pense que c'est. Ils essayent de faire monter tous les ans 3 ou 4 joueurs de leur réserve, ou en tout cas des équipes jeunes, d'aller chercher des jeunes. Parce que c'est le système qui veut ça, hein. C'est le modèle économique de l'équipe qui est assez en danger, hein. Surtout avec les droits TV qui sont de plus en plus faibles, malheureusement pour les équipes de Ligue 1. Ils sont obligés de se réinventer, même si on le sait, hein, c'est pas une équipe qui a beaucoup recruté, mais de mettre un petit peu un terme aux achats sur le marché des transferts. On voit, hein, l'achat record, c'était Savanier à 9 millions et demi. On est dans le football moderne, un club de première division qui a jamais dépensé plus de 10 millions. C'est déjà bien qu'ils en soient à leur, je crois que c'est la 17e ou la 16e saison consécutive en Ligue 1. C'est déjà une bonne chose. On va revenir un petit peu sur le calendrier. Une mauvaise préparation, moi je vais appeler ça une mauvaise préparation, avec une victoire contre Martigues, un nul contre Riron, et des défaites contre Southampton, Saint-Étienne, contre Mayence, contre la Fiorentina. Donc des équipes qui, dans leurs championnats respectifs, sont pas forcément voilà, parmi les plus fortes. Ils n'ont pas fini largement au-dessus de la 12e place chez eux. On pensera notamment à Saint-Étienne qui est promu. C'est des équipes qui peuvent se certes poser des problèmes, mais en préparation, je trouve ça assez inquiétant de ne pas remporter ou faire des matchs nuls contre ces équipes-là. Autant le nul contre Iron, c'est assez intéressant, mais c'était au tout début de la préparation, face à un club qui a perdu énormément de joueurs. Moi, ça m'inquiète parce que je pense qu'on va être sur une saison middle, comme une mid-saison, comme ils savent le faire du côté de Montpellier. Et les supporters, je suis pas sûr qu'ils apprécient passer encore une saison comme ça, en fait, où il se passe rien, où on attend juste que la saison elle passe, quoi. C'est bon, voilà, c'est un peu triste, c'est dommage, mais quand on voit le calendrier, c'est vrai qu'ils ont affronté Strasbourg et ils ont eu du caractère, ils ont montré des choses, notamment en égalisant avec un penalty transformé par Téji Savanier. On le voit, hein, là, le calendrier, ils vont affronter le Paris Saint-Germain, ils vont affronter le FC Nantes, Rennes ensuite, Auxerre, l'AS Monaco, Reims, Marseille. Ce petit bloc-là de fin septembre qui va amener des équipes qui ont l'ambition d'être européenne, selon leur dire. Ça va être un gros, gros test pour cette équipe. On voit, hein, la fin de la première partie de saison aussi. Hein, il y a du Lens, du Lille, du Nice, du Lyon. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il faut voir comment ils arrivent à travailler à domicile, parce que, encore une fois, on voit, hein, ils commencent la saison avec un nul. Là où la saison passée, ils étaient vraiment parmi les équipes qui a à faire le plus de matchs nuls à domicile, ben là, voilà, ils n'ont pas eu des très très bons résultats à domicile. On espère que la tendance va s'inverser. Sur la deuxième partie de saison, on le voit, ils reprennent avec Monaco au mois de janvier. On le voit, ça va être un peu plus équilibré, parce que, en tout cas sur la première phase. Après, sur la deuxième, bon voilà, on le voit, Marseille, Reims, Brest, Paris. Et ils finissent leur saison du côté de Nantes. Nantes, qui est une équipe qui, pour l'instant, n'a pas été classée et qui. Bon, bah on le verra, mais voilà, sera peut-être aussi une équipe dans la même zone de classement qu'eux. Allez, bah on va voir, hein. Qu'est-ce que Montpellier va faire sur cette saison? Moi, pour moi, je les classe.
Je les classe à la 13e place. La saison dernière, ils ont fini 11e. Enfin, 12e, pardon. 13e, pour moi, c'est une bonne. Ça veut dire qu'ils font une bonne saison. Ça veut dire qu'ils sont capables d'aller chercher une position au classement qui est assez valorisante pour eux. Sans pour autant être encourageante. Parce que on régresse. Mais l'effectif qui n'a pas effectué de changement, on est dans la continuité de quelque chose qui est. Excusez-moi du terme, mais qui est d'une équipe médiocre aujourd'hui de Ligue 1. C'est pas une équipe qui va de manière constante être très bonne, mais elle peut avoir des moments de qualité. Mais de manière globale, si on s'en suit au résultat qu'elle a eu, elle est médiocre. C'est une équipe moyenne. Médiocre ne veut pas dire mauvais, mais ne veut pas dire bon. Et là, c'est un peu le problème qu'on a à Montpellier, c'est qu'il y a, en termes d'ambition, l'ambition, elle est médiocre, c'est de rester en Ligue 1, c'est tout. C'est d'attendre que la Ligue 1, elle passe sur nous. Je suis désolé, mais après, ça s'explique. Hein. Il y a des contraintes économiques. Il y a un propriétaire aussi qui aime le club, mais qui n'a pas forcément les moyens d'investir dedans à perte, on va dire. Voilà, le stade n'est pas rempli, ça aide pas non plus. C'est le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, moi, 13e, je trouve que c'est une bonne position pour ce Montpellier-là. J'ai hésité avec une autre équipe, mais je trouve qu'ils sont mieux armés, qu'ils ont plus de profondeur, qu'ils ont aussi un coach qui a la qualité et la capacité de faire mieux et d'être plus inventif. Michel Derzakarian, je trouve que c'est un meilleur coach que celui dont on va parler dans la prochaine vidéo. En tout cas, avec les armes qu'on lui donne là, au moment où on parle. Et parce que, voilà, aujourd'hui, il faut pas oublier que le temps passe, l'âge avance et les choses changent. Donc aujourd'hui, on voit, il y a des coachs très, 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 très hypés. Et hypant en Ligue 1, on va parler de Zerbi, on va parler de Luis Enrique, on va parler de, pourquoi pas, de l'autre côté, du côté de Pierre Slage, du côté de Francaise, et etc. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez des anciens qui, malheureusement, sont pas dans les équipes les plus avantagées en termes de finances. Ça va être assez compliqué. Mais bon. Montpellier, on y croit pour la 13e place cette saison. On fait un petit point classement. Je vais me pousser un tout petit peu parce que je n'ai pas envie de disparaître aujourd'hui. Voilà, on a le SCO d'Angers qui est à la 18e place. Juste au-dessus, on trouve. À la 17e place, il n'y a personne pour l'instant. Mais on va vite savoir qui c'est. Je spoil hein, parce que ça faut que ça aille vite là maintenant. Ensuite, on a l'AS Saint-Etienne, Auxerre. On remonte encore un peu plus haut à la 14e place, c'est le Havre. 13e, je vois Montpellier. 12e, le Racing Club de Strasbourg. 11e, Toulouse. 10e, Stade de Reims. 9e, l'OGC Nice. 8e place, ce sera le RC Lens. 7e place, le Stade Brestois. 6e, pas encore défini, pas encore dévoilé en tout cas. L'AS Monaco pour la 5e place. Lille, le LOSC, pour la 4e place. 3 et 2, pas encore dévoilé. Et le champion. Le futur champion, le Paris Saint-Germain. Je ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier Alex. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite en espérant que les supporters de Montpellier, vous soyez peut-être d'accord avec moi ou pas, hein, mais que vous soyez actifs dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et cette preview en espérant que la saison soit bonne pour ce club. Allez, ciao, ciao. À plus tard.